Mais voilà, donc on fait une expérience parce que là, on va prendre des colis alimentaires, mais c'est gratuit. On n'a pas besoin. Donc, par exemple, Marvin peut prendre, Mehdi peut prendre chacun de nous. Et qu'on a plus. Et c'est agréable parce qu'il ne donne pas, il demande pas ta carte d'identité, comme certains au niveau du CPS, carte d'identité, comme c'était la police pour l'alimentation, combien de pourriture. Bah. Là, tu t'en fous, tu arrives là-bas, boum, boum, il te donne. C'est un peu comme quand j'avais été à Saint-Vincent-de-Paul, que j'ai trouvé par Internet. Mais c'est un homme d'église. Il a eu besoin que je l'écris quelque chose, c'est tout. Pas besoin d'aller en quitter comme un connard, quoi. Ça va? Hein? En quitter comme une merde, quoi, tu vois? Hein? Bon, attention. Voilà, bonjour. Hein. Attends. Voilà, ça c'est le singe bonobo. Ça c'est le singe bonobo. Il est venu pour un petit dîner royal. Oh, ce sont les plantes de cannabis. Puis celle-là. Puis. Oh, mais est-ce qu'on peut le fumer, le cannabis, là? Mais on a distribué des plantes de cannabis. Tiens, ça serait cool, hein. Plantes de cannabis gratuites. Donc, les invités, je vous honore. Voilà, mais c'est ça. Au revoir, madame. Bisous, bisous. Tu vois, ici, nous avons tout simplement monsieur. Ah, monsieur, excusez-nous, parce que j'aime bien parler avec les gens. Mais c'est bien parce que vous venez chercher une alimentation. Mais m'énervez pas parce que je vais vous mettre une droite. Non, ne faites pas ça. Oh, je me cache derrière toi. Ah, t'as vu, regarde, moi, arrête, sinon je casse le vélo. Sinon je mange le vélo. Et après, comment je mange le vélo? Il manque de la chair dedans. Il est mal à moi, là. Le frigo pour tous les amours. Ouais, chacun, c'est chacun. Hein, je connais pas. Et là, vous avez un beau bâtiment dont je sens l'art me parfumer les nasales. Tiens, prends, je te bouffe. Et allez, j'ai envie de manger une crêpe d'être humain. Une partie d'être humain mangée comme un cannibale. Ça, c'est bon. Le frigo. Pour c'est tout quoi, et alimenter un frigo en chaleur électronique. Pardon. Le gaspillage alimentaire. Mais oui. Les multinationalistes qui s'appellent Deleuze sont des voleurs, Carrefour voleurs. Nous condamnons Carrefour et Deleuze comme des voleurs. Nous voulons que Deleuze nous donne tous ses produits. Madame, à moi, c'est à moi. Non. Combien? Mais trois. Avec le singe, ça fait 4. T'inquiète, tu auras ta bouffe, mon petit cocotte. Et là, attendez, je vais vous ouvrir la porte du singe. Hein. C'est un singe bonobo, évidemment. Bonjour. Attention, vous pouvez dire merci à ma femme. Allez-y, avec tout l'amour. Ce sont. Ça, c'est des boulettes de. Oh, bienvenue au club, je vous attendais, j'ai téléphoné à Mister. Ici, c'est le colis alimentaire du frigo. Quand les aides n'ont pas beaucoup à manger, le frigo leur remplit le ventre pour qu'ils puissent s'apaiser devant le fauteuil et regarder la télé apaisement. C'est gratuit. Évidemment, si tous les êtres donnaient la compassion de donner gratuitement aux êtres aimés, mais on n'aurait plus de violence. Les gens auront à manger dans leur estomac. Mais comme ce n'est pas le cas, vous voyez l'agressivité. J'ai faim. Je comprends qu'on devient cannibale et on ne fait que manger que des belles femmes. Miam, 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 miam. Restaurant 5 étoiles. Mais je t'attends, mon amour. Ah, est-ce que ma. J'ai encore un peu de viande, madame. C'est gentil. Le gros bonheur de la femme. Ça, c'est vraiment magnifique.
il n'y a pas de lait un peu? Parce que pour mettre des complexes pour les enfants, il doit avoir sûrement du lait. Ah, donc générosité de lait. Il n'y a plus de lait. Mais il n'y a pas des... Comme hier, j'avais reçu, j'avais une boîte de canard. C'était très... Du canard, c'était très bon, quoi. On les a vendus, c'est parti, c'est parti. Ici, là, moi, je suis... Non, non. Non, voilà, mais c'est super bon. Donc, vous pouvez voir le frigo. Déjà. Ah, ouais, ouais, c'est gentil à toi. Hein. C'est gentil. Voilà. Ça, c'est quoi, ça? Ah, bien sûr. Merci. Il n'y a pas, il n'y a pas, il y a pas, tu vois la salade, des... déjà. Ah, les poivrons, ça c'est bon aussi, j'aurais bien aimé avoir des poivrons. Ça c'est pour, tiens, ah, mais voilà, ça c'est le persil, madame. Ah, le poivron. Oui, c'est persil. Attends, vous avez un peu de pain sur la maison? Il y a un peu, il y a du pain. Ah, vous n'en avez pas pour moi? S'il y en a, ah, mais s'il n'y a pas un autre truc de sauce où je peux faire ça facilement, ah, ça a l'air bien. Un coulis de tomates jaunes. Voilà. Un coulis de. Du persil. Ah, c'est du persil, ça. Attention. Ah, du lait enfin. Attends, est-ce que le lait le fait? Est-ce qu'il est congelé? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Quand le lait il gonfle comme ça, c'est que il. Mais il pourrit pas. Hein. Non, quand tu le dégèles, il faut le boire dans les deux jours. Parce que ça, c'est du lait de marque. Hein. C'est une vache. Hein. Les meilleurs laits, ils sont partis à extraire. Est-ce que vous avez les laits. Les laits unis, qu'on appelle ça Winnie. C'est des petits laits, des laits moins chers. Pas très bonne qualité, je le sais. La salade ou du thé. Je peux donner tout ça comme un témoignage. Vous avez des très bons personnages d'humains qui donnent l'amour à tous les humains qui ont faim. Et voilà pour quelle raison moi, en tant qu'auteur, je participe avec Frigo, il y a Nos Javel, toutes ces actions pour nous donner une petite alimentation. Merci. Au revoir. Voilà. Vous avez tout simplement l'amour de Frigo. Frigo, ça vous remplit le ventre. Ça s'appelle frigo ventre nu. Ah, c'est bon, très bon le frigo. Le frigo, on y mange du caca d'hier. Vous pouvez nettoyer tout, vider tout. C'est poubelle dehors. Avant de taper le stock. C'est comme ça. Bon, c'est une espèce de futur. Bonjour! Bonjour, c'est pas le frigo ici, c'est le frigo. Ouais, mais tu as vu comment ils t'ont bien servi ici. Là, on n'a plus besoin d'aller voler la bouffe. Il y a tout, quoi. On n'a plus besoin. Hein? Oh. Bonsoir. Bonsoir, tututarita. Ok. Ouais, mais dis, je vais retirer, mais ça qu'on doit. On va aller pour aller. Je vais voir le GSM si va se vendre. Ça va? Hein? Tu entends? Ah, tu m'as pas pris les sacs poubelles quand même que j'ai pris là-bas, parce qu'il y en avait besoin. À la maison? Non, toi t'es con quoi ce qu'ils disent. Non mais j'en ai un peu, t'inquiète. Ah! Putain, fils de pute, c'est pas rentré dedans votre connasse. Oh putain! Comme ça, au moins, bon, on a fini ces films, parce que j'ai encore d'autres films qui vont venir après, parce que c'était l'action du bien, du bien-être. Il m'a mis
un très bon colis, on a apprécié. Ah, en sachant, quand je dis ça, tac, 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 nettoyage après, je vais faire descendre les poubelles, je nettoie, papa. Et après, 16h, on remplit encore le coffre de bouffe. Et bingo! Ça va, ils t'ont donné quoi, des viandes aussi? Ouais, Marie, ils t'ont donné quoi, des viandes? Hein? Un peu, mais. Non, mais ils t'ont donné quand même. En fait, pour deux personnes à chaque fois, nous. Hein, toi, ils te donnent pour une personne, Marie. Deux personnes, nous aussi pour deux personnes, toi aussi deux personnes. Moi, c'est trois personnes! Mais ouais, pour deux personnes, donc on a beaucoup. Ah, c'est bon, putain, on a bien mérité ce colis alimentaire, hein. Bien avant, c'était ici que vous habitez, Marie. Mais ouais, dans la rue. Non, la rue, mais. Si, c'est la rue là. Ouais, c'est la rue là, mais c'est un peu plus loin. Mais c'est juste à côté, c'est la maison que j'ai vue. C'est celle-là, non? Et après, bon, nous, on était à côté aussi. Bon, ici, attends, qu'est-ce que je suis en train de penser? Je veux continuer ce film qui est agréable, évidemment. Mais je voudrais le stopper parce que.